La Bible nous prévient des dangers d'être un chrétien endormi. Restez en feu. Pensez-vous parfois, où est ce vieux feu que... tout cet enthousiasme que j'avais le jour où j'ai été sauvé? Vous savez quoi? Ravivez votre feu. Ne laissez pas ce feu s'éteindre. Stimulez-vous. 1 Thessaloniciens 5-6. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. Marc 13, 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je le dis à tous, veillez. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça n'a pas besoin d'être vous ni moi, mais si nous sommes des chrétiens endormis, il nous surprendra et commencera à nous mentir, et avant que nous le sachions, nous le croirons, et très vite nous perdrons notre foi. Est-ce que vous êtes déjà passé par cela? Vous devez être fatigué, vous applaudissez si peu ce matin. Il y a 66 versets dans la Bible concernant l'importance d'être vigilant. 66! Et ça ne veut pas dire de regarder tout le monde pour pouvoir les critiquer. Ça veut dire regarder le monde et réaliser combien nous sommes proches. Ça veut dire regardez-vous et assurez-vous que vous ne tombez pas ou vous ne reculez pas dans des domaines de votre vie. Faites attention à ce qui arrive dans votre pensée. Faites attention à vos mots. Combien de fois dites-vous à vos enfants, « Fais attention à tes mots. » Eh bien, Dieu dit la même chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Regardez ces choses et ne vous laissez pas reculer. Ne vous laissez pas être paresseux et procrastiner. J'ai entendu une histoire sur comment le diable avait donné à ces démons vétérans d'entraîner les nouveaux démons à aller dans le monde et tromper les gens et les garder d'être sauvés. Et donc, après qu'ils aient eu du temps pour s'entraîner, et ils ont rappelé pour leur poser des questions, et ils ont demandé au premier, « Alors que feras-tu pour... » tromper les gens. Il a dit, « Oh, je vais juste leur dire qu'il n'y a pas de Dieu. » Et ils ont répondu, « Eh bien, tu en tromperas très peu comme ça, parce que les gens savent par nature que Dieu existe. » Ils ont dit au deuxième, « Que diras-tu aux gens? Je leur dirai qu'il n'y a pas d'enfer. » Ils ont répondu, « Eh bien, tu en tromperas plus que le premier, mais pas autant qu'il le faut. » Et ils ont dit au troisième, « Et toi ?» Il dit, « Je leur dirai qu'ils ont beaucoup de temps, reportez ça à plus tard. » Ils ont répondu, « Toi, tu récolteras beaucoup d'âmes pour le royaume des ténèbres. » Vous savez quoi? Les bonnes intentions ne sont pas l'obéissance. Croyez-moi, je vais arranger les choses. Ma sœur et moi, nous nous disputons depuis 18 ans. Je vais... Quand? Plus tard. Eh bien, si le Seigneur vient alors que vous êtes encore en train de penser à lui obéir. Amen. Je ne dis pas que cela fera que vous irez en enfer, mais nous devrons donner un rapport. Nous ne savons pas ce à quoi ressemblera ce jour, mais je pense que ce sera défiant. Donc, qu'est-ce que tu as fait de ton temps et de tes dons, Joyce? Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent que j'ai mis entre tes mains? Je veux avoir de bonnes réponses. Je veux pouvoir dire autant que possible. J'ai essayé de vivre ma vie pour toi. Je ne l'ai pas fait parfaitement, mais Jésus, tu es le centre. Amen.